salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière pour deux raisons. Déjà parce que je suis en chair et en os et c'est pas si souvent qu'on voit ça. Et ensuite, je suis à Paris en face de la salle d'arcade La Tête dans les Nuages où j'ai pu jouer à Halo Fireteam Raven. Halo Fireteam Raven, c'est donc un jeu d'arcade disponible au départ seulement dans les enseignes Dave & Buster's et puis qui progressivement s'est démocratisé, enfin il y en a eu un petit peu partout, mais pas partout non plus, c'est assez rare d'en trouver. Et il a fallu pour moi que je vienne sur Paris en vacances pour arriver à en trouver une justement dans cette salle d'arcade. Alors, Halo Fireteam Raven, c'est un rail shooter, c'est-à-dire que c'est un jeu où on n'a pas la possibilité de se déplacer librement. On a une arme que le jeu nous impose, fusil d'assaut au début, après pistolet à plasma, on peut aussi jouer une tourelle dans l'espace pour affronter des banshees, ou même une tourelle de Warthog. Alors je n'ai pu jouer que aux deux premières missions globalement, dont vous allez avoir quelques extraits durant cette vidéo. C'est sympa, le jeu est assez cool, les phases de gameplay changent souvent, et ça c'est vraiment intéressant, on s'ennuie pas, ça va vite, et l'argent va vite aussi, surtout quand on est aussi bidon que moi. C'est un jeu qui est canon par rapport à l'univers Halo. Il a été fait par Rob Strills et Play Mechanics, mais supervisé par 343 Industries. Et quand je parle de canon, on voit le Master Chief, parce qu'on joue peut-être des ODST, 1, 2, 3 ou 4 joueurs, mais on rencontre le Master Chief et j'ai d'ailleurs été assez surpris. Les événements se passent sur l'installation 04. Le Pillar of Photon est attaqué. On reprend à l'OCE, vous avez très bien compris. Et là où on voit le Master Chief, il essaye de rentrer dans une capsule de sauvetage pour aller s'écraser sur l'anneau. Vous voyez très bien, c'est la première mission de Halo CE. Et nous voyons cette scène d'un autre œil, de la part de cette ODST qu'on joue, et c'est vraiment intéressant. Alors peut-être qu'on reprend beaucoup plus les événements du jeu, mais je n'y ai pas joué plus que les deux premières missions. Donc il faudra vous contenter des quelques petites images que je vous montre, et de toute façon ça vous permet de ne pas vous spoiler, et je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Le contrôleur, la manette si vous voulez, c'est en forme de mitrailleuse, l'écran c'est du 4K, c'est joli, c'est beau, ça a les graphismes de Halo 3, c'est encore mieux, surtout avec les grognards, nos grognards préférés, ceux de Halo 3, ils sont tout mignons, ils sont tout beaux, moi ça m'a fait plaisir de les revoir, voilà. Nous jouons donc des ODST sur l'installation 04, nous rencontrons le Master Chief, les phases de gameplay sont assez diversifiées, c'est cool. Je sais plus ce que j'ai dit de ce que je n'ai pas dit. Voilà, si vous avez la possibilité de voir, de jouer à ce jeu, allez-y. Essayez de pas trop vous ruiner. Normalement, plus on est à jouer, moins ça vous coûtera. Parce que c'est plus simple de jouer à 4 que tout seul. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Du coup, ils nous tirent dessus et ça fait mal de se faire tuer. Et moi je me suis beaucoup fait tuer, j'ai dû relancer plusieurs fois. Mais j'ai eu quelques bonnes surprises. Alors n'hésitez pas à y aller et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous, vive Halo !